L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver, chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 Actunet. L'information de qualité sur cette chaîne est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas, de vous abonner, et surtout, d'activer la cloche de notification, pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez, si c'est fait, on peut commencer. Le sélectionneur Guy Fetchin a rendu publique la liste des joueurs convoqués pour le stage de préparation de la CAN U23 Maroc 2023 du 26 mai au 09 juin 2023. Après la publication de cette liste, Jean Crépagny a taclé le sélectionneur. Pour lui, sa liste est l'illustration de ce que disait Vincent Aboubacar. cher compatriotes, je ne serai pas tendre ce matin avec le Coach Fetchin. Quand le capitaine Vincent Aboubakar parle d'un mauvais entourage, qui n'est pas le président Samuel Eto'o, feuchingy en est l'illustration parfaite. Dit-il point, nous avons la chance de voir certains matchs en direct et nous connaissons les joueurs en forme actuellement. Cette liste publiée du coach Fejervary ne reflète pas la réalité de ce que nous voyons tous les jours. Cher coach des différentes catégories des équipes nationales, prière d'ouvrir les yeux et d'avoir le même regard du peuple. Le président Samuel Etou vous a nommé pour sélectionner les meilleurs de notre championnat. Nous ne voulons plus nous battre entre nous. J'en ai marre de voir chaque jour l'image et la personnalité du président de la FECAFU subir toutes les insultes du monde. Vous faites les présélections, et c'est Samuel et qui prend tous les coups, et nous sommes dans les réseaux sociaux défendre l'indéfendable. Vous voulez aider le président Samuel et je vous prie de faire le bon job, et de donner les résultats que le peuple attend de vous a-t-il ajouté point. Il appelle d'ailleurs Samuel et au limogeage des entraîneurs qui ne sont pas à la hauteur de leur charge. Président, il sera temps de virer les coaches incompétents qui cherchent juste à nuire votre présidence. Hier, vous pouvez nous mentir parce que le championnat n'était pas médiatisé. Aujourd'hui, nous avons la chance de suivre les matchs en direct et de voir les pépites de la nation jouer au football tous les jours, poursuit-il. Je ne vous laisserai plus détruire l'image et la réputation de Samuel et tout en faisant des présélections qui prêtent confusion. La gestion, le management, le développement et le professionnalisme découlent aussi de l'écoute des autres. Que tous les coaches sachent qu'ils sont nommés pour faire le job. Même si les victoires ne suivent pas pour le moment, il est important de convoquer les meilleurs que nous voyons à la télé et sur le terrain pour le moment. Nous avons tous les yeux ouverts pour reconnaître les bons produits actuellement de notre championnat, a-t-il conclu.